J'ai vraiment l'impression que je suis morte. Hein. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un maquillage momie mariée. Voilà, j'espère que mon interprétation vous plaît. Il y a pas beaucoup de sang, mais il y en a un petit peu pour donner la touche dégueulasse tu vois et toujours un petit côté sensuel hein. si tu ne me connais pas encore et ben, bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Perrine et je fais des maquillages beauté, mode, fx et artistique et cette année j'ai décidé de faire 31 vidéos pour le mois d'Halloween donc une vidéo par jour, d'ailleurs si tu reproduis l'un de mes looks je t'invite à aller me suivre sur Instagram à m'identifier, à mettre le hashtag PerrineMu comme ça je pourrai voir les publications, les liker les commenter et les partager sans plus tarder on commence avec le tuto j'ai tout d'abord appliqué une calotte, donc c'est un faux crâne. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez le lien de ma vidéo dans le petit i. Et donc je mets grossièrement du fard gras noir sur ma bouche pour ensuite placer. En fait, ce sont des capsules pour les ongles que j'ai découpées comme des dents et que je viens coller avec de la spirit gum, donc c'est de la colle à postiche à prothèse de chez Makeup Forever. Ensuite je viens prendre mon latex donc de couleur beige, peu importe, ça, enfin on s'en fout de la couleur, mais euh, je l'ai mélangé avec de la farine pour avoir une consistance assez euh, épaisse. Et donc, vous voyez, c'est pour refaire des effets un peu bah, peau dégueulasse, quoi. Un hein, peau, qui, peau qui a vraiment. Euh, <laughs> euh, qui a vraiment des péris. Et donc, euh, je n'hésite pas à bien solidifier les dents grâce à ce latex également. Et donc, j'applique ce mélange un peu partout en évitant le contour des yeux, mais je passe tout de même au niveau de mes sourcils. Alors, par contre. J'ai fait un cache-sourcil juste avant, donc si vous ne savez pas comment faire, je vous mets ça également dans le petit i par la suite. Mais il faut savoir que si vous mettez du latex sur vos sourcils sans que vous ayez fait et de cache-sourcil, euh, vous avez une épilation gratuite. Donc vaut mieux faire un cache-sourcil, les gars. Donc vous voyez, là j'ai bien mis sur toute ma calotte et tout, et sur mon buste également. Je viens prendre, c'est ma palette de, de fond de teint de chez Makeup Forever. Et ensuite je viens prendre un peu de vert que je viens mélanger à, ce, à cette teinte pour avoir en fait un beige mais très terne. En fait quand vous mélangez du vert dedans dans un, dans un fond de teint et tout, bah, ça donne un côté terne. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime pas appliquer genre un correcteur euh, vert sur les rougeurs parce que ça peut rendre le teint terne. Donc voilà ma petite histoire. <laughs> je prends maintenant un fard gras marron mélangé à du kaki pour euh, mon contour des yeux. Et je viens bien évidemment estomper bah, le tout euh, sur euh, mon latex, bien évidemment. Donc je fais un peu tout le tour, enfin, j'applique vraiment la matière délicatement. Donc ensuite, lorsque j'ai fait mes deux yeux, je vais venir poudrer le tout. Enfin aussi je fais un contouring avant, je fais aussi un petit contouring, mais en fait qui ne me sert absolument à rien. Et là maintenant je poudre les yeux. Et c'est super important de poudrer votre far gras au niveau de votre peau parce que le far gras ça bouge énormément les gars. Je viens colorer les fausses dents avec ma palette de fards à alcool de chez Skin Illustrator. Donc avec un mélange de jaune, de blanc, ainsi qu'un tout petit peu de noir pour les mettre au niveau des, des gencives. Enfin de ce qui reste, <laughs> j'ai envie de vous dire. Mais euh, franchement si vous avez des fards gras, c'est très très bien. Faut juste euh, en avoir pas beaucoup sur votre pinceau. Parce qu'en fait les, les fards à alcool, ça a vraiment ce pouvoir-là. Enfin... Ça fond très très bien dans la peau, ça fond très bien de façon générale, donc ça fait d'autant plus naturel. Donc il faut vraiment travailler en légèreté. Faut pas oublier qu'on est une momie, hein, donc là je viens euh, carrément déchirer. C'est des bandes velpo, oh god! C'est des, des bandes que j'ai eues dans mon kit esthétique de soins-corps j'espère que j'aurai pas repassé ma pratique de soins quand l'année prochaine. Ouhou parce que vous voyez l'état des trucs après. Donc euh, je, je les mets dans une, dans une manière qui me semblait plus logique. Enfin, je me suis même euh, référée à des images de, de momies en fait. Parce qu'il n'y avait pas de maquillage. Enfin puis même ça m'intéresse pas de regarder un autre maquillage, mais il n'y avait pas... Enfin il y avait pas mal de photos vraies en fait. Et, et c'est ça qui m'intéressait le mieux. Donc, je me suis dit pourquoi pas le faire à ma manière. Donc, là j'ai fait euh, une grosse, grosse déchirure pour la bouche. Et donc, je viens retravailler le tout au niveau du cou. Et ensuite, j'en ai pris une deuxième également. <laughs> je l'ai euh, fracassée. Hein. Et voilà. Et ensuite, ben, <laughs> je viens la salir avec mon fard, euh, mon fard gras marron et et kaki que j'avais mis au niveau de mon contour des yeux. Donc vous voyez, après les bandes ne sont plus du tout réutilisables. J'ai ajouté un petit peu de sang coagulé sur les bandes Velpo ainsi qu'un voile de mariée que j'ai collé avec du latex derrière. Et j'ai ajouté une lentille toute blanche sur un seul oeil comme ça grâce à la bande Velpo. Je peux voir normalement avec mon autre oeil. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao